Donc je me présente, je m'appelle Sophie de Croisette et je suis scénariste et directrice d'écriture et j'ai dirigé l'écriture de Ponyoko en grande partie. Ah, plein. Alors, En fait, comme j'ai commencé en 1992, j'en ai fait pas mal. J'ai travaillé avec Serge Rosenzweig sur Caroline et ses amis, Snow Good, Nanook l'Esquimau, Fantomette, Léo et Poppy, qui était ma première direction d'écriture. J'ai travaillé sur Jim Bouton, sur Highlander, sur Arsène Lupin, sur Ivan Noé. je m'en oubliais plein, quoi. Et voilà. Ma première vraie direction d'écriture, c'était Léo et Poppy. Et après, il y a eu Code Yoko. Et Code Yoko est arrivé. J'ai travaillé sur SOS Bout du Monde aussi. En fait, j'ai travaillé pour pas mal de boîtes différentes. Donc, en fait, j'ai fait un peu le tour toutes les boîtes. Et puis, donc voilà, après, à partir de 2002, je me suis quand même beaucoup occupée de Code Yoko. Donc, ça m'a pris pas mal. J'avais fait Malo Corrigan juste avant, sur lequel ça avait été assez compliqué. Et j'étais en pause, en fait, je faisais une pause, que j'avais eu mon premier enfant. Et c'est Moonscoop, qui s'appelait Antéfilm à l'époque, qui m'a appelé pour envisager la direction d'écriture. Donc au début, je me tâtais un peu parce que je connaissais l'univers de la SF comme ça. J'avais lu de la SF, mais je n'avais jamais pratiqué. Et puis bon, j'ai rencontré Jérôme et puis on s'est assez vite bien entendu. Et du coup, après, il y avait déjà sur place l'auteur de Teddy Godzilla, par exemple, qui était là, Frédéric Lenoir. Et puis, j'ai commencé à travailler avec lui et Carlo De Buttini, qui est un des auteurs du concept original. Enfin, qui est arrivé juste après. Il y a eu un premier concept qui a été fait par des étudiants des Gobelins et Tania Palumbo. Et après, ce concept a été narrativement réalisé par Carlo De Buttini. Après, Fred Lenoir est arrivé, si je me souviens bien, parce que je n'étais pas encore là. Fred Lenoir est arrivé pour essayer de mettre de la cohérence dans tout ça avec Carlo. Et il y a eu un premier script écrit. Et là, je suis arrivée et j'ai commencé à diriger. Voilà, les premiers scripts, etc. Donc, voilà. Et ça, c'était en 2002. On a essentiellement essayé de retrouver de mettre en place des motivations fortes pour les personnages et notamment une motivation pour Jérémy. Et c'est en réunion, et c'est une des scénaristes, Françoise Charpia, qui a suggérer que Jérémy veuille faire revenir Aelita sur Terre. Et ça, c'était l'idée finalement qui a un peu permis de mettre quelque chose de fort dans la saison 1. C'était à peu près ça, c'est-à-dire c'était des jeunes collégiens qui vont dans un univers parallèle. Mais toute la technique autour de ça n'était pas précisée, en fait, quoi. Le fonctionnement du supercalculateur, le fonctionnement des scanners, la translation, tout ça, l'holomap, il n'y avait rien de tout ça. Tout ça a été ajusté au fur et à mesure. Parce que, en fait, notre idée avec Jérôme, c'est plus on est précis sur les technologies, plus on est narrativement intéressant, quoi. Donc, en fait, il fallait préciser tout ça pour aussi que les épisodes commencent à avoir une cohérence forte, quoi. Donc, au début, je me souviens, le premier truc que j'ai vu, c'était plutôt comme un teaser autour de l'image, quoi. C'était très fort. Il y avait déjà des trouvailles de l'image. Il y a la bascule d'univers, mais en revanche,
narrativement, voilà, c'était juste, il passe d'un univers à l'autre, mais on n'expliquait pas vraiment pourquoi. Il n'avait pas de motivation. Non, il combattait déjà Xana, mais Xana était en fait représenté par des espèces de boules noires, il me semble, des choses comme ça, voilà. Mais donc tout ça n'était pas précis, quoi. En fait, nous, avec l'équipe d'auteurs, on est arrivé pour essayer de mettre de la précision scientifique là-dedans, quoi. Je trouve qu'on a réussi tous ensemble à faire quelque chose où il y a une narration et un mystère et une continuité narrative un peu cyberpunk qui marche vraiment très bien. Et ça, je trouvais que les personnages ils s'enrichissaient au fur et à mesure. Et le fait qu'ils puissent grandir, devenir de plus en plus obsédés dans leur motivation personnelle et tout, ça c'était quelque chose qui me fascinait bien. Et puis c'est vrai que là, tout ce qui est backstory, mystère derrière, ça on s'est bien amusé avec, franchement. Voilà. Et c'est, je crois que c'est ça qui me plaît bien. Et les personnages, je les aimais beaucoup. Quoi. Tout le petit univers, au fur et à mesure, plus on écrit, plus on l'aime en fait. Donc c'était assez sympa ça. Ben alors, en fait, ça dépend. En tant que spectatrice, je dirais que moi j'adore Jim parce que c'est le personnage de comédie pure et c'est un personnage que j'adore. Après, dans l'équipe, ils étaient tous intéressants à manier parce qu'ils avaient tous un rôle aussi narratif, quoi. J'aime bien Aude. Ouais. Mais j'aime bien les personnages comiques, en fait. Mais tous, hein, je les aimais bien tous, quoi. En fait, il n'y avait pas un personnage que j'aimais moins, en fait, quoi, je crois. Ben, sans doute, ouais, mais pas que moi, hein, les auteurs aussi, quoi. Mais oui, sans doute. Sans doute, Jérémy, moi j'ai un mari qui est scientifique, donc Jérémy, il y a forcément un peu de mon mari dedans, sans doute, quoi. Ses obsessions mathématiques, comme ça et tout. Il y avait des auteurs qui par exemple Jean-Rémy François, il maniait très bien Aude. C'est des auteurs très rigolos, très, très drôles, très caustiques et tout, donc ils étaient très forts avec Aude ou avec Jim par exemple. Et dans Yumi, oui, il y a beaucoup de choses de moi dans Yumi. Hein. Oui, parce que c'est un personnage un peu en retenue, comme ça c'est sérieux et tout. Oui, sans doute, hein. Même dans Madame Herx, hein, d'ailleurs. En fait, ce gaz ne craint qu'une chose, l'eau une seule goutte d'H2O et il se volatilise. Bien, assez. Mais prenez une feuille interro-surprise. Ouais. Donc, et puis je pense qu'on a tous mis aussi dedans nos souvenirs de collège, tous les problèmes qu'on avait personnels. Par exemple, l'élection de Aude en délégué de classe, je pense qu'on a tous vécu ça, quoi. Mais les auteurs et même les spectateurs, donc du coup, c'était quelque chose qui nous parlait à tous, quoi. Voilà, comment draguer une fille, comment se prendre des vestes en permanence comme Aude, enfin voilà, quoi. Donc, je pense qu'on était tous assez concernés par le sujet. Bah, au niveau narration, c'est peut-être Jérôme qui sera plus tenté par cette réponse, parce que peut-être s'il avait eu plus de liberté financière, il aurait, je sais pas, fait de la 3D encore plus belle. Mais moi, je me sentais pas vraiment contrainte au niveau écriture, en fait, quoi. Et à vrai dire, un scénariste sans contraintes, c'est très compliqué. Hein. Enfin, les contraintes font partie du métier de scénariste et sont bénéfiques aux histoires, en fait, quoi. Donc, si on m'avait dit tu écris ce que tu veux, je pense que j'aurais pas trop su quoi écrire. Ce que j'aurais bien aimé, d'une façon générale, c'est pouvoir faire un épisode où on révèle, où on se sert de la backstory que personne ne connaît sur Frank Soper. Oui, et si, voilà, on avait écrit. Si, voilà, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait un long métrage. Il avait été envisagé, un long métrage. Avec Code Doco, ça serait enfin, sur l'univers de Code Doco, avec une aventure un peu spéciale, assez folle, de retour dans le temps et tout ça, j'aurais bien aimé avoir ça. On l'a écrit, hein, on avait écrit un pitch, je crois que c'était un truc un peu foutu comme Terminator, en fait. Il allait dans le futur, et donc on voyait ce que ça provoquait, la force de Xana.
Et donc, il fallait qu'il règle le problème dans le présent pour que le futur ne soit pas comme ça. Il me semble que c'était ça. Parce qu'on en a écrit pas mal. Parce qu'il y a quand même un épisode spécial qui est presque un long métrage. Vous voyez ce que c'est? C'est le, où on explique. C'est où il y a toute l'explication de la découverte du supercalculateur. Où il est cette épisode? Voilà, c'est saison 3. Et donc, ça, c'était sympa d'écrire ça. Parce que c'était un format un peu particulier. Et j'aurais bien aimé écrire un long métrage. Mais voilà, quoi, c'est pas fou. C'était bon pour les enfants, mais effectivement c'était assez dark quoi. Enfin, c'était voilà quoi. Mais c'était, il y avait rien de choquant quoi, donc c'était pas non plus c'était pas traumatisant quoi. Mais bon, c'est une série assez dark hein, Code de Cour. C'est pas une série, elle est rigolote parce qu'il y a toute la partie sitcom, mais tout ce qui est, enfin je veux dire, c'est quand même une série où les héros, je sais pas si vous avez bien compris ça, les héros ils perdent en permanence. Donc C'est avec les scénaristes, on gardait ça en mémoire, dans la tête, et ça fait partie de la série. Les héros sont sans arrêt vaincus par Diana. Ils ne gagnent quasiment jamais. Ils résistent, voilà. Mais donc c'est une série assez, assez dure en fait sur le fond, parce qu'ils font des bêtises tout le temps et ils perdent en permanence. Quoi. Donc ça fait partie du charme de la série, je pense. Hein, quand même. Non, il était créé avant. Non, quand je suis arrivée, les personnages étaient là, le collège était là, et le retour dans le temps était là. C'est moi qui l'ai expliqué, en revanche. C'est-à-dire que Frédéric Lenoir, le scénariste donc, qui a écrit Teddy Godzilla, avait trouvé, enfin, il cherchait un moyen de faire qu'il n'y ait pas ce problème de tout est dévasté, comment on va faire, parce que tout le monde sait qu'il y a une super entité quelque part qui fait des tas de soucis, quoi, partout. Et donc, il a décrété qu'il y avait un système de retour dans le temps, mais il ne l'avait pas expliqué, quoi. Et donc, c'est moi, après, qui me suis dit comment est-ce qu'on va expliquer le retour dans le temps, et qui a fait tout un truc avec le supercalculateur et le problème quantique, etc. Donc voilà, donc il y avait ça, il y avait Aelita, mais en revanche, il n'y avait pas la motivation de Jérémy de la faire revenir. Ça, c'est vraiment Françoise Charpia qui... On a fait une réunion et elle a dit, moi, je me demande si ce ne serait pas intéressant que Jérémy ait envie de faire ça. Et ça a vachement débloqué de choses, quand même. Ouais, mais c'est oui, c'était il était visuel en fait, c'était voilà, c'était, mais il n'était pas expliqué. En fait voilà, mon travail sur Code du Coup a été de donner des fondations narratives à beaucoup de choses quoi. Voilà. Avec la collaboration des scénaristes, mais c'est ça, c'était toutes les questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire OK, il y a un scanner, comment ça marche quoi. Ils arrivent sur Code du Coup, comment tout marche, les super fléchettes, les points de vie, tout ça, ça a été mis en place avec Jérôme et avec l'équipe de scénaristes. On a décrété que les cancrela avaient tant de points de vie, les fléchettes avaient tant de points de vie. Enfin voilà quoi. On a fonctionné un peu comme des rôlistes là, sur cette partie-là, quoi, en fait, avec un système un peu de fiches de perso de jeu de rôle. Quoi. Dans la Bible, c'était une entité maléfique qui voulait prendre le contrôle du monde, mais voilà, il n'y avait pas les spectres, il n'y avait pas le fait qu'ils passent par les prises électriques. C'était évoqué peut-être un peu, mais c'était pas fixé quoi. Tout ça, ça fait partie de la mise en place. Et puis après, alors c'est juste après en deuxième saison qu'on a commencé avec Jérôme à se dire mais ça serait bien que Xana ait une ambition. Quelle est l'ambition de Xana, véritable? Donc on s'est dit, bah, l'ambition c'est le contrôle, comme toutes les machines, quoi. C'est l'asservissement de l'humain. Quoi. Et du coup, sur cette base-là, on a commencé aussi à peaufiner ça, à dire qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir asservir les humains, prendre le contrôle de l'armement, de la fabrication de robots, asservir l'humain. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire asservir l'humain ?
Oui, mais c'est pas un problème. Oui, effectivement, mais en scénario, c'est un peu le principe du scénario, ça. C'est-à-dire, on a des règles et comment raconter l'histoire avec ces règles. Alors oui, effectivement, des fois, on dit, alors des fois, on inventait des nouvelles règles ou alors des façons de contourner les règles. Mais une fois que les règles étaient établies, et c'est ça notre lutte avec Jérôme, et c'est ça qu'on a réussi, c'est que une fois que l'Holomap avait un fonctionnement, il ne s'agissait pas de dire on s'en fout, l'Holomap, on va pouvoir s'en passer et tout. Non, quoi. Si on a mis en place dans un épisode que Jérémy peut repérer Odd à un endroit et tout, ou alors il faut trouver un système de brouillage qui fait qu'il ne peut pas le repérer. Et il y a plein d'épisodes qui sont, si vous les regardez bien, plein d'épisodes où en fait il y a un bug. Alors avec l'ordinateur, les bugs sont assez faciles à gérer, quoi. Il y a un bug, mais voilà, ça génère d'autres règles qu'il faut prendre en compte. En fait, Code Lugo, c'était ça, c'était un système de règles à gérer narrativement, quoi. Et effectivement, mais ça nous amusait bien d'inventer des nouvelles règles ou d'inventer que. Cette tour-là, elle est désactivée. Pourquoi la tour s'est activée d'un coup C'était ça. Ah, ça, c'est fort. Je sais pas comment il a fait, mais Xana a réussi à planter le super scan. Il y a bien une tour activée, mais impossible de savoir où elle est. Bon, on fait quoi alors? Bon, Yumi et Aelita, allez sur le 5e territoire et essayez de remettre le super scan en état. Odd et Ulrich, pendant ce temps, faites une inspection des territoires de surface. Avec un peu de chance, vous tomberez sur la tour activée. Voilà, mais bon, ça c'est. Mais il fallait. Pour nous, narrativement, il faut que ça. Que quand on a quelque chose d'un peu surprenant comme ça, d'un peu nouveau, que ça devienne finalement. Que ça fasse partie des règles déjà établies ou que ça devienne une nouvelle règle. Pour pas que ça soit un truc bizarre, genre les spectateurs, ils se disent, ils m'ont bien eu. Dans l'épisode d'avant, ils m'ont dit que ça marchait comme ça, pourtant ça marche pas comme ça. Parce que ça, c'est un truc que je déteste. Parce que je trouve que c'est un respect du spectateur qu'on leur dise, voilà, s'il y a l'holomap, il y a l'holomap, il n'y a pas question que l'holomap disparaisse dans l'épisode d'après. C'est marrant parce que je pense que personne n'a jamais été très fixé là-dessus. Parce que c'est une entité ou un pro, mais en fait c'est un programme, hein, Xana. Donc c'est plutôt il. Je sais plus. Parce que Xana, comme c'est un nom en A, les gens avaient tendance à le mettre au féminin, quoi. Mais en fait c'est un programme. Il n'est pas vraiment définissable. Hein. De toute façon, le truc contre lequel on a lutté, c'est que la production des fois avait été tentée de nous demander de représenter Xana. Voilà. Et on a toujours lutté contre ça. On voulait que ça soit une entité, personne ne peut représenter Xana. Xana les attaque eux personnellement, donc ils sont évidemment, Xana est censée prendre tous les biais pour les attaquer au sein du collège, donc c'est vrai que s'ils sont au réfectoire, effectivement, il va essayer d'attaquer le réfectoire avec... Alors effectivement, narrativement, c'est toujours intéressant, le scénario, que les thématiques se recoupent, donc la thématique de l'action recoupe la thématique du sitcom. Et pour qu'il y ait une connexion thématique globale, quoi. Donc c'est on va dire une volonté scénaristique de tout faire converger dans le même sens, quoi. Mais c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Enfin des fois Odd se fait attaquer par un monstre de nourriture. C'est pas forcément un monstre de nourriture qui est là dans Lyoko, il me semble pas. Donc voilà, des fois quand on trouvait des connexions sympathiques. Voilà, c'était bien d'avoir une thématique globale. Ah oui, on est tous, toute l'équipe, on était tous cinéphiles avec en plus tous les mêmes références. Donc, après, il y a, par exemple, il y a un épisode qui est vraiment un film de zombies. C'était avoué. On s'est dit, on va faire un film de zombies, quoi. Voilà. Donc après, les scénaristes, ils font aussi en fonction de leurs affinités, quoi. Mais c'est tout à fait affirmé et volontaire, quoi. Ça, c'est les scénaristes. Ouais. C'est les scénaristes.
Voilà, après, moi des fois, je lançais une idée qui me plaisait bien. Par exemple, je sais que, et ça, c'est pas moi qui l'ai géré, mais dans la quatrième saison, c'est Bruno Rogès qui a dirigé. C'est lui qui a demandé à un scénariste de faire un épisode sur Jim. Il a dit, je veux un épisode sur Jim où on découvrirait un peu les secrets de Jim. Parce qu'on avait mis en place ce truc où il dit, je préfère pas en parler. Donc ça faisait plein de mystères sur lui. Et il voulait un épisode, donc il a dit à un scénariste, tu me fais un épisode sur Jim. Et les épisodes, ils naissent comme ça aussi, quoi. Donc le scénariste, souvent, ça les inspire. Surtout le personnage de Jim, il est très inspirant. On avait une liste, dans notre Bible, on avait une liste de tous les métiers pratiqués par Jim. C'est très drôle, parce qu'elle est énorme. En fait, il parle de beaucoup de trucs qu'il a fait, mais c'est énorme. On ne sait pas, c'est mystérieux. Et sur certains, sans doute, et d'autres, à mon avis, c'est des affabulations. Donc, on voulait garder le mystère. En fait, c'était. Au début, c'était un gag, ce truc, sur Jim. C'est-à-dire que c'est, je crois, Jean-Rémy qui a écrit une réplique où il a dit. Dans un dialogue, je préfère pas en parler. C'était un gag, en fait, de dialogue. Et on a trouvé tout ça tellement drôle qu'on s'est dit, on va le réutiliser, quoi. Et du coup, on a commencé à faire des scènes où il disait, ça me rappelle quand j'étais agent secret ou technicien de labo ou machin, mais je préfère pas en parler. Et ça devenait une façon de faire un gag récurrent. Puis au bout d'un moment, on a eu tellement de métiers comme ça suggérés. En fait, on trouvait ça intéressant de faire un épisode là-dessus, quoi. Mais il y a des métiers, il a sans doute fait. Mais par exemple, il a jamais été agent secret, sans doute, parce qu'il y a un épisode où il fait n'importe quoi. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, parce que je me souviens pas de qui était. Pouce. Bah, c'est ça. Donc il, clairement, agent secret. Caméraman, c'était pas son truc non plus. On sait pas. En fait, l'idée, c'était de rester hyper mystérieux là-dessus, quoi. Mais parce que ça a été écrit après. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout l'origine. Personne n'y avait réfléchi, en fait. C'est moi, avec Jérôme et les scénaristes, on a commencé à creuser, comme je vous disais, c'est-à-dire à dire, mais comment ça marche et comment ils ont découvert ce truc. Parce que dans la Bible, il y avait, ils ont découvert un supercalculateur. C'était même pas un supercalculateur, enfin, voilà. Mais on ne savait pas comment. Donc en fait, on s'est dit, et les scénaristes, ils me posaient des questions, parce qu'ils me disaient, mais... pourquoi c'est sur l'île? Et puis moi, il a fallu que je dise, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Pourquoi Xana veut les attaquer eux? Et comment il y a un supercalculateur dans cette usine? Qui a construit ça, quoi? Et c'était rien, c'est moi qui ai inventé Franz Hopper, hein. Donc j'ai dit, on va dire que Aelita. Et puis on voulait savoir pourquoi Aelita était là-dessus. Personne ne s'était pas expliqué, il y avait pas. Tout ça, c'était pas écrit, en fait. Et du coup, c'est nous qui avons réfléchi à tout ça. Et du coup, ça s'est écrit après. Et du coup, on a dit, on va faire un double épisode pour expliquer tout ça aux spectateurs. Et hop, voilà. Donc ça commence au milieu parce que, voilà. Mais non, le mystère, il est que c'était pas écrit, en fait, quoi. Donc, en fait, personne n'avait établi les bases de la série. Elles se sont établies après. C'était le cas quand je suis arrivée, mais en fait, on s'est dit, donc suite à cette réunion où il a été suggéré que Jérémy essaye de rapatrier Aelita sur Terre, on a trouvé ça rigolo de se dire, en fait, elle était terrienne à l'origine. Et en plus, ça allait bien avec l'idée de Franz Hopper, qui en fait était un scientifique, etc. Mais oui, quand je suis arrivée, elle était une entité, mais... Il n'y avait pas de fondement à ça, elle était, c'était une entité. Alors si, je crois que l'explication, c'est que c'était elle qui harmonisait l'univers et tout, quoi. Mais le fonctionnement de Xana et d'elle et des territoires, tout ça n'était pas organisé non plus, il n'y avait pas encore de règles. Le dialogue dans la saison 1, j'avais l'impression qu'elle avait été programmée comme ça. Oui, mais en plus, nous, il fallait qu'on fasse un peu des explications à suspense et des choses qui fassent rebondir les saisons, quoi. Parce qu'à partir du moment où on a fait la saison 2, qu'elle était sur Terre et qu'on découvrait qu'en fait, elle avait été humaine, ça nous faisait un... On a ajouté ça au fur et à mesure. Vous voyez, ça s'est pas construit d'un bloc et après, on a déroulé pendant 10 ans, quoi. Ça s'est construit au fur et à mesure. Les autres supercalculateurs, les réplicas, tout ça, c'est arrivé au moment de la saison 4, quoi, en fait. On n'y avait jamais pensé avant, quoi. Chaque fois que la production nous disait on va faire une nouvelle saison,
Du coup, avec Jérôme, on commençait à reconverger en se disant, mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer de nouveau, quoi. C'est ce que j'aime dans Code Loco, moi. Ouais. Non, non, le fait qu'elle soit humaine, c'était pour faire un mystère sur Terre, en fait, quoi. C'était un choix qui concernait la backstory de Franz Hopper. Et c'était pas du tout quelque chose d'éthiquement... c'était pas un... Voilà, j'ai jamais considéré ça, quoi. Mais effectivement, on peut se poser la question. Pourquoi laisse-t-il ouvert le truc alors que c'est juste un programme, quoi. Il me semble, à ça je me souviens plus du détail, mais il me semble qu'il commençait à en parler, mais non, ça n'a pas été prévu tout de suite. Non, non, non. C'est rarement prévu tout de suite, en fait, c'est prévu une fois que le succès est là ou pas, en fait. Hein. Donc, il y a peu de séries où on prévoit déjà 4 saisons. Hein. Mais même, peut-être qu'effectivement, à la fin, quand on a commencé à écrire les épisodes de fin, il y avait dans l'idée que peut-être qu'il y aurait une suite. Mais c'était pas sûr, je crois, il me semble pas, franchement. Bon, en même temps, ils réussissent là, ils réussissent à rapatrier. Enfin, ils réussissent pas à lutter contre Xana, mais ils réussissent à rapatrier à Evita, donc c'est une sorte de fou. Bon, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? On t'attend ici. Je suis enfin sur le point de découvrir ce que cachent ces énergumènes. Mes amis et moi, on a bien un secret. Votre comportement paranoïaque commence à me taper sur les nerfs. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Top là. Je suis prête pour le grand saut. Je lance Illico l'installation du programme de matérialisation. Code Terre.